Et yo pas accepter ça qui fait là. Petit garçon président, gain courage, il prend courage li à deux mains pour dire deux mots. Jovenel Moïse a dit deux mots. Dans l'occasion ça, je dis à funérailles nationale papal président nous Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, parrains et amis et pourrés, Mesdames, Messieurs, permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venu, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ, au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé. Longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a décampé dans même la course. Et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis du courage sous lui pour te parler de papa. Il te met des courage sous lui pour lui dire qui j'en ai mon papa le dit. Qui j'en ai élevé. Éducation de recevoir de lui. J'en ai bon monde qui te travaille. J'en ai remé et j'en ai respecté. Jodian, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa. C'est un monde qui est rempli avec l'amour. Même les gens vivent dans le temps méchant. Papa, tu es un modèle pour chaque grand monde. Papa, tu es honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché d'être ensemble, même s'il t'a vécu dans le temps traite. Il était une compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader. Un vrai leader. C'était président nous. C'était président Pam. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la famille.
C'est ton président qui t'a vivre pour peuple et qui finit par mourir pour peuple. Moi, je connais, il y a des gens qui font nous, papa, des fois, dans mon tyran. Il y a des gens qui font nous, dans mon méchant, dans mon diable. Il y a des dépenses en pile comme pour ça. Mais moi, je connais tout que, dans le matin 7 juillet, je n'ai pas me fermer. Je n'ai pas noté l'ouvre. Nous, bien clair qu'on est. Alors, c'est ça que fait la psy et de l'eau genou. Nous avons mis des garçons et des femmes sous nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires leaders dans chaque action nous posons. Les gens qui ont accent, c'est des choses qui sont fragiles. Aujourd'hui, on l'a, des gens disparaissent. Mais on l'idée qui est simple, mais elle est éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtien. Tout Haïtien doit le même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle est douce pour tout le monde. C'était l'idée ça, yo. C'est l'idée ça, yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, yo, yo assassiné. Mais pas oublier. On lit des plus puissants, parce que n'importe où. L'idée continue de vivre et continue de grandir. Même les vies s'y spent. L'idée est éternelle si on prend racine dans laquelle. Ce n'est pas la première fois qu'on assassine un président. On déracine papa. Et pourtant, Jean a dit, on n'a pas jamais changé. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur, nous avons fait plus que deux siècles à faire. Nous avons le goût, c'est vrai, nous avons le goût. Mais il faut que nous avons avec sagesse. Ce n'est pas violence pour nous. Nous avons le goût, oui, nous avons le goût. Mais nous avons le goût avec toute tête, nous, pas avec des amis maintenant même. Moi, c'est que chaque action, chaque décision nous prend, continue à honorer mémoire président, son excellence Jovenel Moïse. On a enchaîné. C'est l'occasion pour nous chercher moyen pour nous faire nos forces parce que j'en dis, je dis à ne pas marquer tristesse et désolation. On a célébré la vie d'un gros garçon qui a un rêve pour nous chaque qui l'a, petite soeur, majorité nationale PIA. Il rêve ça, il faut continuer à nourrir, il faut une bataille pour atteindre l'objectif président Jovenel, ta bataille pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui, ta bataille. C'est avec l'honneur et respect, m'a introduit Madame Ni, Martine Moïse, une femme qui a un pile courage, qui, une autre fois, prend courage à deux mains, même s'il a souffert, pour le petit morceau dans sa salle sentie. Merci, assez. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les représentants des pays amis, mesdames, messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique,
Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, Frères Maxem dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjouée, dotée de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont ils s'affublent. Expert ex-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable, chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais aussi les préparés. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparée. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir Joe à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts aux tiens? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants?
C'est un cauchemar dont je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays,
continueront d'exister de génération en génération. Pas en paix, mon cœur, pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Haïtiens qui vivent dans quatre coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, ça, nous disons merci en pile. Présence ou ben nous force à courage pour nous kakembe. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas qu'à assassiner Vision. Ils n'ont pas qu'à assassiner l'idée. Ils n'ont pas qu'à assassiner le rêve qu'ils gagnent pour payer. Nous perdions la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. L'île n'a pas fini. Jovenel Moïse n'a pas plagué nous en route. L'île a déjà montré nos chemins et l'a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Je me suis bien bas devant le cadavre de Potori Garçon, président Jovenel Moïse, Marim, un bon papa. Yon bon mari, yon bon président, yon bon soldat. Nous faisons toute campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie frère action nous a subi. Jodi a m'a dit son au revoir, c'est pas un adieu. M'a salué chaque monde qui vient saluer des pas pour tous les garçons ça qui t'a mené en bataille. Qui est un pile monde qui est un privilège, pas de comprendre, mais qui voulait dire un pile bagay pour monde en dehors. Le jour qui est 7 juillet, c'est un jour où monde sans foi ni loi paraît à toute volonté pour yon chavirer, chaudir l'espoir pour monde qui pi mal, pour gros orteils, pour tête canaille. Monde qui a commencé à prendre sans l'espoir avec le développement. Parce que wout a fait bon la caillou, poteau a metté, courant a bail, pompe soleil a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, mais j'ai planifié pour yo couper soufou. Sans yo pas rendre yo compte qui mal yo t'a fait pays, qui mal yo t'a fait moun Haïti, qui mal yo t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jambe remen politique jou. Ou pas de jambe vle entrer dans politique. Monte toujours vle un changement réel. Ou t'es toujours vle la vie meilleure pour sa pi pauvre yo. Moi pas de penser que ti changement ça ou t'es vle faire. T'es ka mettre de l'eau dans jet toute famille. T'es ka mettre de l'eau dans jet tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagné qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner t'a ka mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours voulé pour graisse cochon cuite cochon mais hélas ça t'est la cause que pays a t'est loksou. Ça t'est la cause que monde qui gagne contrôle gang yo t'est la gayo d'yo. Ça t'est la cause que conspiration village Tibois te manqué pour toi aller. Ça t'est la cause qui ont été payé mercenaires. Vin dans pays rete pendant plusieurs mois puis ont tann 6 7 juillet pour te éteindre nous tant que lampe dans vent. Yo goumé juste mec doaté. Jo oligarque yo gagne une bataille. Mais on pas connait si peuple a commencé ouais clair. Si peuple a commencé à comprendre, si j'ai le calé, qui donc ou devant? Nous perdons bataille, mais la guerre n'est pas finie. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Demandez-nous de créer un petit espace, s'il vous plaît. Cortège PA pral prendre direction cercueil là pour absoute là. En attendant, nous gagnons l'autre fois hymne présidentiel.